Bonjour, c'est Jolie Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle que je viens de recevoir, l'oracle de l'intuition et de l'action des Fairus et Odie. Pour nous accompagner, je vais allumer deux petites bougies. Alors, cette bougie-là, pour nous éclairer un petit peu. Et celui-là, c'est des Yankee Candle, c'est miel lavande. Voilà, on va les mettre ici. Voilà. Alors, on va l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle. Alors, c'est de cette édition Médicis, il coûte 24,90€ et il vient dans une boîte rigide. Elle est très jolie la boîte, elle est mate avec les lettres en doré qui ressortent. Il a un doux toucher. Allez, on va l'ouvrir. Avec un joli livre que je vais vous montrer après. Oh, c'est joli, je découvre un petit pochon. Un petit peu de la couleur comme ça. Ils sont bien regardés pour les détails, c'est bien. On va les mettre. C'est toujours un plaisir d'avoir un petit pochon. Voilà, il vient dans une boîte comme ça, très bien enveloppée. Elle est très bien finie. Et les cartes. Alors, qu'est-ce qui nous marque derrière quand même? Je vais vous le lire. Votre intuition constitue une source précieuse d'informations délivrée à tout moment par votre âme. En reliant ces messages à vos actes, vous serez enfin en harmonie avec vous-même et les autres. Cet oracle des 44 cartes superbement illustrées vous guide dans la profondeur de votre intuition et vous amène à l'action. Chacune des cartes vous apporte des messages intuitifs et des actions à entreprendre pour l'évolution de votre âme. Vous pourrez ainsi traverser les obstacles de la vie avec confiance et en toute sérénité. Fairus Saouli Thielen est entrepreneur et coach en neurosciences. Odie Girous est spécialiste en communication, entrepreneur et maître Reiki. Allez, on va le voir. On va l'ouvrir. Alors. On regarde. Quand le tarot ou l'oracle, ils arrivent avec une étrange dorée, c'est bien de faire comme ça, parce qu'on casse un petit peu, je ne sais pas si on dit on casse l'étrange, mais on décolle le jeu. Parce que des fois, je pense que c'est fait, ils mettent des peintures un peu comme ça, d'en haut en bas, avec le jeu fermé. Et c'est pour ça que des fois, quand on ouvre les cartes, il y en a qui se décollent. Donc moi, automatiquement, quand je prends un jeu avec des trans comme ça, je les plie comme ça pour casser. Des fois, on entend crac, crac. Voilà. Donc, on continue. Donc, il y a une tranche dorée, mais qui ne brille pas. Elle est plutôt satinée. Le dos, qui est très joli. Très sombre, noir. Avec les dorés, la lune, comme ça, les phases, c'est très joli. Alors sachez, je le dis tout le temps, hein, tous les jeux qui sont noirs, ils sont beaucoup plus fragiles. Hein. Il faut faire attention au brassage, parce qu'ici, avec le temps, si vous faites par exemple un brassage type poker, mais tout ça, vous allez l'abîmer. C'est difficile de le maintenir. Donc, si vous tenez à votre jeu et que vous voulez le garder longtemps, il faut faire attention quand vous brassez. Hein. Je ne dis pas de ne pas faire le poker, vous faites comme vous voulez, mais sachez que si vous faites le poker, vous allez un petit peu l'abîmer. Alors, les cartes, elles sont souples. Elles sont fines, bon, je dirais qu'elles sont un peu du type standard de maintenant. Et elles sont un peu glacées. Par rapport à la taille, voilà donc l'oracle d'Evelyne. Donc on voit une grande différence. Maintenant, c'est un petit peu ça, c'est la taille un petit peu standard des oracles. Hein. Alors, on a le dessin avec des couleurs douces. Ça fait un peu façon aquarelle. Ici, vous avez le petit bandeau
avec le numéro et le mot de la carte. Hein? Allez, on va les regarder ensemble. Acceptez la différence. Accueillez la peur. La procrastination. Cessez les jugements. Célébrez votre beauté. Ajoutez un brin de folie. Soyez relié à votre centre. Vouloir vraiment. La maîtrise, le pouvoir intérieur, le courage d'oser, la bonne décision, haute vibration, élargissez votre spectre. La liberté, intuition, la résistance, honorer sans condition, jamais seul, ici et maintenant. L'énergie d'action, l'art de s'unir, la connexion, la prêtresse, la connaissance, action, oser parler, le pouvoir d'échanger, la richesse des expériences, aimer sans condition, l'art du drame, faites grandir la douceur. Des coïncidences significatives, un regard différent, créer l'impact, le masque, soyez pleinement responsable, réinventer. Célébrer l'échec. Accepter le chaos. Accepter ce qui est. Vos émotions. Le temps inexplicable. Et votre vérité. Il est doux, hein? Alors, on va regarder le livre, qui est quand même assez gros. Alors là, il nous marque exactement la même chose que je vous ai bien de vous lire dans la boîte. Alors, c'est un livre qui a 199 pages. Alors, on va faire comme ça. J'espère que... Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vais faire comme ça. Ça, je voulais un petit peu l'écarter. Voilà, on a la table des matières. Comment utiliser les cartes? Ici, vous avez les cartes et les numéros de la page. Voilà, là, ils nous expliquent un petit peu comment ils ont créé cet oracle. Comment travailler avec les cartes? Comment les utiliser? C'est joli, le... Les petits trucs comme ça en couleur, j'aime bien.
Pratiquer les rituels, passer à l'action. Avant de pratiquer le rituel suggéré, écriture intuitive. Et là, vous avez le même dessin que sur le dos des cartes, c'est très joli. 40 thèmes des cartes, 44 thèmes des cartes. Et là, vous avez la première carte en couleur. Et c'est super bon. Moi, j'aime beaucoup les livres en couleur, je me répète. Mais c'est tellement agréable de regarder le livre quand c'est en couleur. Et là, vous avez la description de la carte. Et ainsi ensuite. Je vais vous lire une tout à l'heure. Alors, ici, à la fin, on va regarder un petit peu comment il est fait. Donc, ça, c'est la dernière carte. La biographie. Il nous parle un petit peu des auteurs. Et voilà, ainsi ensuite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embrasser les cartes délicatement. Et on va choisir une carte que je vais vous lire. Comme ça, vous verrez un petit peu comment elle a été écrite dans ce livre. C'est joli parce qu'ils ont mis un doré satiné qui correspond exactement à ça. Alors moi, je suis perfectionniste, donc ça me plaît aussi les petits détails. Bon, je brasse pas très vite parce que je ne veux pas les abîmer, on ne sait jamais. Moi, je suis très délicate avec mes jeux, hein, je fais très attention. J'ai aussi une grande connexion avec le toucher des cartes. Alors, on va faire comme ça. Et quel message on peut nous dire? Alors, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Le pouvoir intérieur. Alors, je peux faire un grand zoom. Et je vais vous lire la page de ce livre-là. Alors, le pouvoir intérieur. En bas. Je suis en manque de souffle aujourd'hui, me manque un petit peu d'air pour respirer, mais j'espère que je vais pouvoir bien vous lire la carte. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle, relié à votre façon de voir les choses, vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pourrez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions face aux diverses situations de la vie. Le contrôle est extérieur, tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ça sera plus simple pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie. Après, vous avez un passage de rituel. Il y a marqué rituel du pouvoir intérieur de Fairus et Audi, les auteurs. Je vois la situation différemment. Ce mantra vous aidera à obtenir une nouvelle perception fondée sur de nouvelles bases plus saines. Dites-vous que vous ne savez rien en vous
en faisant un clin d'œil. Vous réalisez que de laisser aller les tensions et les objectifs vides de sens vous libère de votre désir de vouloir tout contrôler. Après, vous avez une petite prière de sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Et après, vous avez un petit paragraphe, écriture intuitive. Cher, plus votre prénom, ressentir ta maîtrise intérieure te permet de... Et là, vous voyez, je vous le montre comme c'est marqué. Il nous marque écriture intuitive. Cher, plus votre prénom, ressentir ta maîtrise intérieure te permet de... Et là, vous continuez à écrire ce que vous ressentez. Voilà pour cet oracle que je trouve très doux, avec des dessins en aquarelle, avec ce petit pochon que je trouve qui va avec la couleur parfaitement, comme ça. On le range dans sa boîte, comme ça ici, avec ce petit livre, enfin je dis petit livre, mais qu'il est très beau. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Thank you.